Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino. Et il s'agit de la... il s'agit de quoi? Il s'agit de l'épisode numéro 2 de Resident Evil 2. On continue. J'ai l'impression que j'ai modifié des réglages au niveau de mon micro, ce qui est mal. Qu'est-ce que... Des bonus débloqués? Concept... Ok, mais je m'en fous en fait. Moi je veux continuer la campagne. Je continue, ouais. Qui est... Se frayant un chemin dans les rues infestées de zombies, Léon parvient à rejoindre le RPD, commissariat de police de Raccoon. Malheureusement, il n'est pas en sécurité pour autant. À la recherche d'éventuels survivants, il commence à explorer les lieux. Ah, 900... Ah, 9, 1, 1, 7, 7. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue chez les Kino. Je ne sais pas si tu es dans le coin et si tu viens de la part d'un host, n'hésite pas à cliquer sur... mon petit nom pour venir papoter avec nous. Bienvenue à toi en tout cas. J'avais oublié ce détail, en tout cas je suis content de te voir. Eh ben moi aussi Ozana, moi aussi. Ah attendez, deux secondes. Vérifie un truc. Tac. Et... Tac, je vois. Je pense que j'ai pas... Ok. J'ai dû baisser le son du... Voilà, ça doit être cool. Ok. Vous me direz si le son est correct. Alors, là, c'est là que ça va être compliqué, c'est de se rappeler de ce qui s'est passé, de ce qu'on doit faire. Alors, pour ça, je vais regarder un petit peu les objets particuliers qu'on a. Donc, on a ces deux clés-là qui ne serviront plus. Et je me rappelle qu'il faut trouver une clé trèfle, une clé cœur. Il y avait autre chose aussi. Un truc pour fermer de la vapeur qui s'échappe d'un tuyau. Donc, genre une clé à molette. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On va le voir en regardant la map en fait, ça va être plus simple. Alors, donc voilà, clé trèfle, clé cœur. Ça c'est quoi? Je sais même plus ce que c'est que ça. Parce que, donc ça on n'a pas vu. Là, ici il y a un coffre, donc il nous manque la combinaison du coffre. Voilà. Le bureau est, a priori, il n'y a pas de possibilité d'entrée pour l'instant. C'est nickel, cool, cool, cool. Moi aussi, j'avais hâte aux zombies, nous, Pom, carrément. Alors, ensuite, ça, c'est ça. Ah non, comment on fait pour avoir l'étage du dessus? Voilà. Alors, ici, apparemment, la salle d'attente. Ouais, alors, la salle d'attente, on a aussi un coffre-fort. Et on n'a aussi pas de combinaison pour l'instant. Dans le couloir, là, je vois pas trop ce qui manque. J'imagine que quand c'est rouge avec des pointillés, on peut pas rentrer. Quoi d'autre? Voilà, donc là c'est dans les douches en fait où on a de la vapeur qui sort et donc il faudrait pouvoir la virer avant de pouvoir passer. Ok, quoi d'autre? Salle de stockage ouest. Pourquoi est-ce que. Donc là a priori on peut rentrer. On pourrait rentrer là potentiellement. Donc ça pourrait potentiellement être notre. Notre objectif c'est d'aller voir ce qui se passe là-dedans en fait, je pense. Ici, je crois qu'on a aussi un casier avec une combinaison à 3 lettres. Mais on n'a toujours pas trouvé la combinaison non plus. Quoique. Je me rappelle qu'on avait, on avait trouvé une combinaison la dernière fois. Est-ce qu'on a ouvert le. Ouais, je prends mon magnifique bloc-notes. Je ne sais plus si on avait trouvé. Ce que ça ouvrait. La combinaison, c'était. Voilà, c'était CAP. CAP. Je me rappelle plus. Je sais pas si quelqu'un sur le chat se rappelle de ça. Ok, donc alors, on est... nous sommes ici. Il va falloir qu'on rentre par là. On prend l'escalier. Tac, tac, tac. On monte tout en haut. Et là, on va voir... Ah, c'est pas là où il y a un hélicoptère qui s'est crash. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à grimper là, en fait. Il faudrait grimper par cet escalier-là. Comment on fait? Hop, faut aller à la bibliothèque. Ah, mais oui, il faut une espèce de levier, genre pour un cric à la bibliothèque pour pouvoir bouger une des bibliothèques en fait, pour pouvoir passer. Est-ce que ça serait, je me rappelle plus où c'est. Est-ce que ça serait ce qui empêche de passer l'escalier, d'atteindre l'escalier, je sais plus. Bon, bref, autrement, au niveau des munitions, nous avons 13 balles de flingue. Je ne vais pas sortir le shotgun maintenant, je le garde pour plus tard.
Notre couteau est bientôt décédé, c'est ballot. On a trois planches qui nous permettent de calfeutrer des fenêtres. On a ça qui nous permet de casser des chaînes pour pouvoir passer certaines portes. Et le joyau rouge qui semble être un objet clé. Je sais pas trop où on va l'utiliser, mais du coup, je vais le garder sur moi parce que de toute façon, on a de la place. Je sais pas si ça vaut le coup de prendre une plante. Alors, attendez. Ah, on a des poudres. On a des poudres pour faire des. Non, on n'a qu'une poudre noire. Non, on va regarder ça comme ça. De toute façon, hein, je rappelle qu'on joue en normal. Donc, ça doit pas poser trop de soucis. Alors, bureau. Et on va monter. On va voir ce que ça donne. Tu vas bien, Mathieu? Ça marche, dame. Bon app. Ok. Donc ici, tiens, on va normalement, alors, il y a un truc qui est bien avec les Resident Evil, s'il y avait la même chose dans le 1, c'est que, les salles qui sont rouges, c'est les salles où il reste des objets, et les salles qui sont bleues, c'est les salles qui sont complètement explorées, à part les points d'exclamation, en fait. Tiens, d'ailleurs, il nous manque un médaillon, c'est ça à mettre là-dedans, je crois. C'est dommage que ça ne dit pas ce qui se passe quand je pose le pointeur dessus, mais bon. Alors le truc c'est que du coup vu qu'on sait qu'il c'est rouge parce qu'on n'a pas ouvert le coffre-fort, si ça se trouve, ça veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose en fait à loot. Donc je vais juste regarder en speed. Là je sais pas trop comment on pourrait faire pour aller de l'autre côté là. J'ai pas l'impression qu'on puisse. Mais bon, je suis parti du principe que c'est juste le coffre-fort qui manque. Faut qu'on se refasse au jeu un petit peu et au gameplay. Salle des casiers. Ah oui, il nous manque une touche pour la salle des casiers, pour pouvoir ouvrir les derniers casiers. Il nous manque une touche pour la mettre en 3. On peut pas faire le chiffre 3 pour l'instant. Ok, donc on va prendre l'escalier par là. Et merde. Allez. Es-tu décédé? Tu as l'air décédé. Ce qui ne veut pas dire que tu es décédé. Ok. Enfin, si tu es décédé, c'est sûr. Est-ce que tu es décédé et que tu ne vas plus bouger? Ça, c'est autre chose. Ok. Alors. Heureusement que ça met la pause quand on regarde la map aussi. Ça, c'est cool. On pourrait aussi retourner par là. Mais non, on va monter. Donc, si je monte encore d'un étage... On va voir, il faut se balader. Bonjour. J'aimerais bien qu'il y ait... Ah bah non, elle est pas décédée vraiment en fait. J'aimerais bien qu'il y ait marqué RIP sur leur tête quand ils sont vraiment RIP en fait. Ce serait cool, ce serait pratique. Bon, ça serait pas fun par contre. Tiens, on va essayer ici. Donc est-ce que c'est AP? Ça marcherait. Non. Donc c'était pour une autre... c'était pour un autre casier, en fait. Ok. Donc il faut nous trouver... Alors, je compte sur vous, hein. Alors, je rappelle la règle. Ceux qui connaissent déjà le jeu, qui l'ont déjà vu, qui y ont déjà joué, Motus et Mouche Cousu surtout, sauf ce qui je demande, ceux qui n'y ont pas joué, qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à chercher avec moi et à me dire si jamais vous voyez les trucs. Alors typiquement, si vous voyez le mot de passe écrit sur un tableau blanc, comme l'a fait Blacky la dernière fois, faut pas hésiter à dire « Hey Elki, Elki, t'es aveugle, y a un mot là, y a un mot là. » Un clignotant flashy. Ouais, ça serait pas mal, hein. Est-ce que je peux calfeutrer ces pièces et... fenêtres là. Oh, je me rappelle qu'il y avait aussi un petit zombie qui grimpait au mur aussi, ça j'ai... miam. Tu es Motus. Motus, ça marche, Vendra là. Je te remercie. Ah bah voilà, ça on connaît pas. Ok, parfait. C'est exactement là où je voulais aller. Personne n'a l'air mort ici, c'est bon. Bouton. Où ça, Maoneko? Où ça? Où ça? Où ça le bouton? Bienvenue, Maoneko. Ok. Je sens qu'il va y avoir un piège à con là. Ça sent le piège à con, ça respire le piège à con ici.
Que dis-je? Ça hume le piège à con. Oh là là. Ah, mais si, on connaît ici. Si, si, ça n'est pas arrivé par le même endroit, en fait. Il y a plein de, flics morts là-dedans. On était arrivé par là, en fait. Ok. Seul problème, là, c'est qu'on n'a pas beaucoup de munitions, en fait. Donc, faudrait pas qu'il y ait plus de un zombie. On en a combien, là? On a 10 balles. 10 balles, normalement, on peut, tuer, on peut en tuer deux si je vise bien. Sauf que je vise mal, en général. Donc, est-ce que le jeu original compte le... Bah oui. Enfin... Fitz. Bah je sais pas. Parce que je sais pas... Je sais pas comment le remake est... Ah mais oui. Ah bah on a le détonateur maintenant. Ok. Voilà. Il va falloir aller chercher le détonateur en fait. Parce qu'on l'a pas sur nous je crois. Hein. Non. Ok. Il va falloir aller chercher le détonateur. Fait chier. Donc on se barre. Il va falloir que je retourne buter la... La flic à dread. On peut te donner des tips? Non, non plus. Bah non, 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 non. En gros, l'idée c'est que je veux faire le jeu avec des gens qui ne le connaissent pas non plus quoi. Donc sauf si je demande aux Anna évidemment. J'ai fait la démo et j'ai l'impression qu'il y a eu des changements. Ok. Merde, est-ce que je suis pas... Oui, c'est bon. Je pourrais pas te dire, je pourrais pas te dire, Fitz, que c'était plus dur. Bah là, on est en normal, hein. Apparemment, le jeu hardcore, il est hardcore. Hein. Tu peux donner des pourboires. Ah oui, des tips comme ça. Tu peux, mais non, mais je vais jamais demander, moi. Ça va pas. Ok, donc, elle est où, la dame, là? Elle est là. C'est bon là? Ok. Et par là? Et voilà. Mec, c'était pour pas t'embêter justement, vu que j'ai regardé les streamers, ils faisaient 2-3 techniques intéressantes. Ah ouais, non, non, faut pas me dire. Merci, j'apprécie que tu demandes en tout cas. Il y a des gens qui se pointent des fois et qui font ça m'insupporte. Coucou Twista. Ah, tu aimes le titre? Ah, je me suis dit que juste mettre Réside dans tes villes, c'était que c'était déjà vu et survu, surfait plutôt. Donc j'ai adapté le Réside dans tes villes pour l'occasion. Alors, attends, c'est juste que si tu sais un truc parce que tu l'as vu dans le jeu original, là tu dis rien. Si tu vois un truc là que t'as jamais vu avant, bah pourquoi pas après qu'il ait cherché partout lui dire que t'avais un truc sans trop de détails. Voilà, je pense que Vendra l'a bien résumé, effectivement. Alors, donc on va prendre le détonateur, hop. Est-ce qu'on a autre chose à prendre? Je me demande si je vais pas prendre la poudre. Des fois qu'on en trouve une deuxième, ça fera des balles directes. Non, non, non. Allez. Dieu. C'est du réchauffé, c'est vrai, mais ça fait toujours marrer. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bien trouvé comme, comme blague à la base. Je trouve. Comment vas-tu, Twista, sinon? Je vois, mais vu que c'est pas du spoil, mais une technique, je préfère demander. Ah, bah, c'est du. Ouais, c'est du backseating. Les techniques. À moins que le jeu. En fait, voilà. À moins que le jeu me l'ait dit avant et que je l'ai pas vu. Genre, si le jeu fait. J'ai un super exemple. Fury. Le jeu, à un moment donné, dit « Pour charger votre arme, faites ça !» Et j'ai pas vu, j'ai complètement zappé, j'ai oublié parce que j'avais pas joué depuis 6 mois. Et ben, il faut pas hésiter, du coup, à... Merde, il est où? Faut pas hésiter à me dire « Eh, Elki, t'as oublié que le jeu t'a dit ça. Voilà. » Ça, pourquoi pas. Parce que y a rien de plus énervant que d'oublier un truc parce que j'y joue qu'une fois par semaine, quoi. C'est... Mais bon. Tiny, coucou, bienvenue à toi. Résidence sénile, elle a une bonne soupe de balles et au lit. Oh, Fitz, balance-moi ça en Wisp, que je mette ça la semaine prochaine. Merci. On aura un titre à la copyright Fitz la semaine prochaine. D'ailleurs, je le redis aussi, si jamais vous trouvez des titres intéressants avec des jeux de mots pour les jeux qu'on est en train de faire en ce moment, n'hésitez pas
à m'envoyer ça en Wisp et je ferai une petite dédicace sur le titre. Ok. Ok. Alors. Bon. Je le sens pas super, super. Ok. Ah. Ah merde, il faut une pile. Ah fuck. Il faut une pile, fuck, fuck, fuck. Bon bah on va le laisser là, c'est pas grave. Fuck, j'avais complètement zappé. Une pile. Mais où je vais trouver une pile? Ah putain de bordel de... Ah puis n'hésitez pas à clip, effectivement, merci Pomme de nous rappeler... que le clip, que c'est la vie. Il faut clipper. Clipper, 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 clipper. C'est la porte qui a fait chpoink. Ok. Donc bah je sais pas où aller. Ok, on a mis le détonateur là, mais il manque une pile. Là, il nous faut un code. Est-ce qu'on peut aller dans le hall principal? Pas par là. Ah mais non, on peut pas. Par la porte là. Ah bah oui, mais non. Donc on peut pas aller là parce que justement, vous voyez la bibliothèque là. Les bibliothèques, il faudrait utiliser un cric pour pouvoir déplacer la bibliothèque qui est là. Pour pouvoir mettre en fait les bibliothèques sous, pour faire un chemin en fait, voilà. Faire un chemin, donc c'est ballot. Donc on ne peut pas aller là pour l'instant. Fait chier, putain. Là, il nous manque... là, il nous manque deux clés. Là, il nous manque le code du coffre-fort. Là, il nous manque une touche. La chambre noire, qu'est-ce qu'il y a, la chambre noire? Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre noire? Oh tiens, je pourrais barricader les fenêtres là, apparemment. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Non, bah écoutez, je ne sais pas. Non, on va descendre par là. Oui, je vois, après, c'est la logique, mais on veut trop bien faire en tant que joueur. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais oui, c'est évident, alors derrière, je suis pas du genre à rager devant parce que tu le fais pas. C'est pour t'aider dans ton expérience, mais si tu veux pas, je respecte avec plaisir. Je passe à la douche et je pars au taf, je reviens à 22h15. Des bisous au gros chat aussi. Au gros chat ou au gros chat? Bah, merci beaucoup, Azana, j'apprécie énormément ton état d'esprit. Ça fait plaisir de voir ça. Et puis, bah écoute, bon courage au boulot, et puis, oh! Un couteau de combat, non, parfait ça. Bon courage au taf et puis bah oui, on est là jusqu'à 1h du mat, donc à tout à l'heure. Et bon courage. Au gros du chat. Ah, au gros du chat. Ok, ça marche. Alors. Merci Fitz. Coucou Ishinryu, bienvenue. Donc ça on a fait. On va passer sur l'autre aile en fait. Je suis curieux de voir ce qu'on peut calfeutrer parce que j'ai trois planches sur moi. Autant les utiliser. Je pense pas que ça serve à autre chose qu'à calfeutrer. Je crois que par contre ça craignait un petit peu sur cette aile là. Avec 9 balles, on va avoir l'air con. Donc voilà, ici il y a un coffre-fort mais il nous faut un code évidemment. Faut bien examiner les murs, je pense, pour voir si les codes sont pas inscrits quelque part. Et puis voir aussi s'il n'y a pas autre chose, parce que c'est pas parce qu'il y a un coffre-fort qu'il n'y a pas autre chose. Alors juste pour me faire mousser un petit peu, j'ai fini Resident Evil 2 hier en 1h55 avec 3 sauvegardes. C'était bien chaud et je comprends Osana, c'est dur de ne pas t'aider par moment. Oh ouais, je comprends tout à fait, hein. Moi aussi je regarde des streams. Moi aussi j'ai envie d'aider des gens. Quand ils font des jeux que j'ai déjà fait, qu'il y a des choses que je trouve évident. Mais bon. Après, tu vois, si je le finissais en 1h30, ça serait peut-être pas aussi super fun. Quelque part. Hein. Et je pense que ça peut être intéressant aussi pour vous de regarder comment je me galère avec certaines choses qui sont simples. Ça peut être fun. À partir du moment où... Enfin, vous pouvez vous foutre de ma gueule. Hein. Ça fait partie du jeu aussi, vu que... Sinon, je streamerais pas si je voulais pas qu'on se moque de moi. Après, faut y aller mollo aussi. Et puis, faut pas... Et puis, si je réplique...
pas vous étonner. Oh là là. Alors ici, là, le mon gros problème, c'est surtout des fois que je me rappelle pas ce que j'ai fait en fait. Ok, là, donc là, il nous faut une manivelle, ok. Moi, j'aime bien voir avec qui galérer. Et ben voilà. Moi aussi, j'aime bien voir des gens galérer des fois. Bon, alors, comment est-ce qu'on on peut pas s'accroupir dans ce jeu ou fufuter, hein. Je peux juste arriver derrière et je me demande si je peux. Je me demande si je peux genre le prendre. L'équipe est combinée. Comment je peux faire? Coucou Marc! Pff, bouh, ah vas-y, comment il galère le streamer! Pff, très crédible, Marc. Oh là là! Très crédible. Merci beaucoup pour le host. Déséquipé, non. Speedrun d'un jeu, c'est une autre façon de jouer. Faut pas comparer. Je suis pas à mon premier playthrough. Oui, oui, non, mais je sais bien. C'est vrai que c'est vrai qu'il faut pas comparer. Comment je fais? Je me rappelle plus. C'est avec. Ok, je vais être obligé de regarder dans mes options. Et comment sortir un pseudo. Ah bah c'est espace. Ok. Oh merde. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. C'est pas grave. Eh merde. Bouge, arrête de bouger. Merci. J'ai niqué mon couteau du coup, c'est ça? Putain. Ok, donc c'est là où il y avait le feu. Je crois pas que je puisse... Ah, est-ce qu'il faudrait pas que je... Y a pas... Si, il y a des sprinklers, ouais, les trucs des arroseurs en fait. Comment est-ce que je pourrais déclencher le... Oh, est-ce qu'il faut pas que je tire en face? Faut pas que je tire là-dessus, là? J'ai pas envie de gâcher des balles, en fait. Ça se trouve, faut que je tire là-dessus. Non. Fuck. Il me reste 3 balles, hein. Si j'avance... Ça brûle? Non, ça brûle pas en fait. Ah ok, merde. Arrête. Arrête. T'as joué à Resident Evil 4? Non, jamais. J'ai fait Resident Evil 1, remaster, et ensuite Resident Evil 7, c'est tout. Avec le DLC. Y'a rien ici alors? Bon. Bah j'ai gâché une balle pour rien. Est-ce que je peux prendre un truc avec... Est-ce qu'il y a un truc à l'extérieur à faire? Je crois qu'on était déjà... Ah oui, on avait vu Claire qui était là. Là y'a quoi là? Et là on arrive où là? Ah, on retourne dans le hall principal. Ok, chier putain. Oh. Ah bah voilà. Tiens, ça va me servir ici. J'ai vu speedrun de moins d'une heure, on dirait. Limite pas le même jeu, ouais, j'imagine. Tu as la crédibilité incarnée, tout à fait Marc, c'est bien dit. Coucou Arnaud, bienvenue à toi. Pas un bon jeu pour moi, mal de crâne. Ah, je suis désolé Serania, bah reviens à 23h si tu veux pour Dreamfall. Dreamfall au moins ça fait pas pam pam boum boum. Et dring 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 et groa groa. Ah bah tiens. Je disais bien qu'il y avait les trucs qu'on avait oubliés. Oh merde. Oh merde. Par contre c'est pas chouette. Faut que je mette ça vite vite. Ok, j'aurais dû prendre la poudre. Ouais, attendez. Tac. Ok. On a peut-être quelques secondes avant Kiss. Oh, y'en a d'autres, non? Y'a pas d'autres fenêtres
Ils ont pété le truc, ok. Oh, cool. Là, je peux pas mettre, ok. Nickel. Nickel. Te relève pas, toi. Tout va bien. Te relève pas. Non, je reste, c'est juste que je vais muter si tu passes devant cette sonnette. Oui, t'inquiète. Je peux comprendre. Ok, ici, il y a quoi? Ah, yes. Ok. Ok. J'imagine que si on cale feutre... Oh, oui! Ah! Ah oui, c'est bon, ça. J'imagine que si on cale feutre pas, il rentre sans arrêt, en fait. Poudre supérieure jaune. Ok. Tiens, pour revenir à ça, parfois ce qui est frustrant de voir le streamer résoudre une énigme ou passer un passage super facilement alors que toi t'as galéré. Ah, le contraire arrive aussi, effectivement. Wow! Bonjour, au revoir. Ferme la porte, on ferme la porte. Ferme la porte, ça te ferme la porte. Ferme la porte, tu fermes la porte. On peut virer ça du coup. Et on va pouvoir. On est où? On est où? On est où? Ah! Oh! D'accord, ok, il nous reste encore des trucs ici. À loot. On va rester ça. Il reste ça. Un composant électrique. Yes, yes, yes! Il nous fallait un fusible aussi, c'est vrai. C'est bon là? Non, il reste encore des trucs. C'est quoi? Une plante. Il y a une plante qui traîne. Je la vois. Là. Putain, on est full et c'est le moment de partir. Nickel. Ok. Verrouillez cette porte, vite! Ok, alors si je me... Là. Tac. Yes. 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 Hahaha. Ça, c'est ça qui fait plaisir dans ce jeu. Quand tu... Quand d'un coup, les choses se débloquent comme ça, c'est trop bien. Alors, donc, on va prendre ça... Puis on va combiner avec ça. Merde, j'aurais dû faire avec la poudre noire pour créer les cartouches de fusil. Ouais, je m'en fous pour l'instant en fait. Déposer, ça on garde, ça on dépose. Ça on va combiner. Non, attendez. Qu'est-ce qui se passe si je combine deux plantes vertes? Je m'en rappelle plus. Combiner. Mélange de plantes vertes plus vertes. Restant modéré mal à la santé. D'accord, ok. Poser ça là pour l'instant. J'ai passé l'après-midi à explique partie, à discuter avec une bande de gros geeks de l'informatique. Il y en avait même de 75 balais, le gars il s'y connaissait grave. Ah putain, ouais, mais si tu as commencé, il a commencé avec les premiers ordi au final. J'imagine que. Ouais. Balèze. Alors attendez, on va sauvegarder là. Voilà, tac. Tu calfeutres une fenêtre et le zombie te troll et passe à côté de par celle d'à côté. Hashtag vie de merde. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, attendez. On a donc un volant. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme objet unique là? Rien, en fait. Par contre, il y a un truc, c'est que j'aimerais bien que ça se range tout seul, en fait. Genre que les flingues se mettent à côté des flingues, etc. etc. Et bon. J'aurais bien aimé aussi que pouvoir utiliser ces flingues-là, mais bon, pour une meilleure prise en main et plus de précision, dégainer plus facilement. Faudrait... J'aimerais bien utiliser Chris en fait. Sauf que bon, j'ai, je sais plus si on peut. Non. Je sais pas si je peux. Oh, attends, attendez. Combiner avec ça, non, ok, c'est dommage. Non, non. Hop, dépose. Ok. Grâce à Koima, je suis pris sur PS4, le jeu Air Memory of Old. Memories of Old, promo 5€. Ok, je l'ai depuis un moment, moi. Ça fait un moment que j'avais envie de le faire. Je sais pas quand on le fera. L'idée, c'est de le faire pendant Ninja, parce qu'il est pas très très long. Donc. Alors, donc, on a une manivelle. Alors, la question, c'est la manivelle. Est-ce que ça va être pour. Est-ce que ça va être pour les douches? Pour le truc de vapeur? Ou est-ce que ça va être pour l'autre porte qui est... Je ne sais plus où. Qui est je ne sais plus où.
Ben, je ne sais pas. Eh ben, on va voir. Je repasse par là. Allez, je repasse par là. Salle du gardien, non. On reprend l'escalier. Ok. Ok, nickel, ils ont... Ok. Tout va bien. Ça fait un moment que tu l'as toi aussi, Marc. Ouais. Ok, y a un zonzon là. On va voir ailleurs. Bon, bah, il va falloir passer devant. Est-ce qu'on peut juste... Ouais, je vais courir en fait. Tout connement. Voilà. Désolé, Serania. On passe vite, vite. Ok. Alors voilà, c'est là. Je pense que la salle d'attente, on s'en fout. Ok. Je pense que la manivelle, la manette, la molette, la valve, ça va être là. Et non. Donc c'est dans les douches. Ah, j'ai plus besoin de la clé, par contre. Ok. Enfin, j'ai plus besoin de la... J'appelle ça la clé, mais... J'ai plus besoin de la... De l'outil de coupe, apparemment. Bon. Merci Arnaud pour la commande. On en parlait justement du spoil tout à l'heure. Alors, Alki, j'ai commencé la série Night Flyer sur Netflix. Si t'as pas encore vu, je te conseille, c'est de la bonne SF spatiale. Ah, ok, cool. Est-ce que tu peux m'envoyer le nom sur Steam ou en Wisp, que je m'en rappelle. Histoire de ne pas faire une Dory. Alors, donc, on va aller dans les douches. Donc, il faut que je me barre par là et que je monte l'escalier là. Ok, avant ça, on va déposer le cutter, le bolt cutter, vu qu'on en a plus besoin. Pardon, là, les tenailles. Voilà, c'est ça. Ou un coupe-boulon. Vu la taille, c'est un coupe-boulon. Ils disent quoi, là ? Outil de coupe. Ok. Non, mais non. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. On va re-sauvegarder. J'arrête pas de sauvegarder. Hein. Faut en profiter vu que... Mais non. Faut en profiter pour le faire vraiment aussi. Très bien. Bien sûr que je peux faire ça. Merci. En ce moment, je suis sur quoi? Je regarde... Je suis toujours sur la reverse. Donc en ce moment... Merci, Marc. Donc en ce moment... Supérieur, Flash, Arrow, comme d'hab... Legends of Tomorrow. Je regarde aussi... j'ai fini Humans. J'ai fini la saison 3 de Humans avec Elkinet. Donc en ce moment, on est sur un téléfilm de Bryan Singer, le mec qui a fait X-Men, qui s'appelle Triangle. C'est sur le Triangle des Bermudes. C'est pas... C'est en 3 épisodes de 1h30. C'est pas le téléfilm du siècle. Enfin, c'est un téléfilm, quoi. Ça fait un petit peu Stephen King, au final. Donc c'est pas nul, mais c'est sur Amazon. Les douches, ok. Donc là. Ok. Yes. Ok. Tout est bien. Y'a pas d'électricité par terre, non? Bon, ça, j'ai des bottes en cuir. Coupe la douche. Non, je vais pas couper la douche. Ok. Oh oh. Oh oh. Y'a un zombie fatigué là-bas. En plus, c'est l'adaptation d'un roman de J.J. Martin, l'auteur de Game of Thrones. Ah! Cool, faudrait que je regarde. Ouais. Il se repose vraiment ou.
Ah, ça a sauvegardé, dites donc. Ça veut tout dire. Excuse-moi, mais. Ok. Tac. Y'a rien. Y'a rien. Il m'inquiète, le monsieur, là, quand même. Le carnet est où, là? D'accord. Cool. Par contre, ça craint. Arrête de me donner des munitions de shotgun. Je veux pas l'utiliser maintenant, le shotgun. Tout ça va se relever, c'est ça, hein? Ouais, c'est quoi ce truc, ouais? Je suis d'accord, là. Il vient pas. Oh. Aïe! Oh la vache! On se calme. Oh! C'est mort! Putain, eh ben ouais, non mais. Ah. RIP, c'est pour ça que ça sauvegarde juste là, en fait. C'est ma première mort, dites donc! Leakers, les Leakers sont des créatures terrifiantes, y a pas de honte à fuir s'ils n'avaient pas la puissance de feu nécessaire pour les avoir. C'est peut-être eux, il faudrait peut-être leur faire. Il faudrait peut-être aller chercher un. Comment un shotgun pour ça du coup? Prends ça, merci. Ok. D'accord. Je pense que si on a des munitions de shotgun ici, c'est bien pour ça à mon avis. Ok. T'as roulé une pelle, elle, voilà. Merci pour la peluche, Pomme. Ok. Ok, hop. Donc là, de toute façon, j'ai pas trop le choix, il faut que je le passe, lui. Donc on va retourner, on va aller prendre un shotgun. Je vais voir l'épisode 3 de Star Trek Discovery, je te dis rien. Le 3, c'est celui qu'il y a eu hier, hein, je l'ai pas vu encore. Merde, je suis où là? Le bureau là. Normalement, t'as eu un document qui t'explique comment ils marchent les leakers avant. Je ne m'en rappelle plus. Je vais aller voir ça. Alors. On a que 11 munitions pour le fusil à pompe, par contre. C'est pas top. Mais bon. Ok. Parfait en deux. Ok. D'accord. Est-ce que je sauvegarde là? Parce que ça va sauvegarder juste avant. Est-ce que ça va l'un dans l'autre. Tac. Aquafresh, fournisseur officiel d'une bonne dentition et d'une haleine fraîche. Lol, fit. Est-ce qu'il n'y a pas la chanson de Stevie Wonder Band de Liker? Liker ou Leaker? I'm a liker, I'm a smoker, I'm a min. Ah! C'est Liker? Je vois la chanson dont tu parles, mais. Là, le zombie, c'est un Leaker en fait. L-I-C-K. Merde, j'avais dit que je regarderais les documents. Il fait l'âge de quelqu'un, article à pire.
Sans faire un costard, il y a diable. Appuie sur un photo commémoratif, vertu des plantes. T'as les casiers. Première mission, utilisation de la poudre noire, rapport d'opération. Lors d'événements, brochure, carrière d'un officier, ok. Autre, lettre d'orientation, tutoriel. Non, j'ai rien eu du tout. Ah oui, c'est ça, c'est Joker. Ok. Je me disais aussi. Espèce de Joker, toi-même, Marc. Ok. Allez. Est-ce que tu re-sauvegardes là le jeu ou pas en finale? Non. Bien. Allez. C'est quoi ce truc? Ok. C'est bon là? T'es vraiment mort? Donne-lui un coup de tatane. Ok. Mais je vais pas m'attarder près des fenêtres. Putain, j'ai cru que c'était un zombie là. Merci Twista. Qu'est-ce que c'est? Oh yes! Oh yes! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Pardon. Alors, note interne. 22 septembre 98. Avis de transfert de matériel. Coffre à trois chiffres résistant à la chaleur déplacé du bureau de Stars 2F vers le bureau Ouest 1F. Combinaison. Ah ouais! Trop bien! Alors, combinaison. Gauche. Merde. Gauche 9. Droit 15. Gauche 7. Veuillez modifier la combinaison des réceptions. J'espère qu'ils l'ont pas fait. Ok. Pauvre petite bête. Coupe-lui un petit morceau pour être sûr. Franchement, si c'était en vrai, si c'était la vie réelle, je ferais ça, effectivement. Ok. Mais là, apparemment, on peut pas. Une plante. Ok, on a plus que deux. Heureusement que ça se stack, hein. Dans le 1, ça se stackait pas. Ça se stackait pas, il me semble. On va regarder l'ordinateur à la fin, en fait. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Oh oh. Oh oh. Je sens que ça a tendu du plafond. Ouh, je le sens pas là. Ok, et merde, je suis full contact. Ah merde, fais chier. C'est pas grave, on reviendra. C'est un raton laveur. Raccoon! Est-ce que si on. J'ai presque envie de le désinguer juste pour le fun. Je vais gâcher une balle juste pour ça. Yes! Un petit succès! Cadeau. Ok, est-ce qu'il y a autre chose là? Il n'y a rien là-dedans. Donc il nous reste, comme indiqué là, de la poudre jaune. Ok, on va regarder là ce qu'il y a dans l'ordinateur. D'accord, il nous faut quoi? Une disquette? Eh mais... Ah bah. J'ai bien fait en fait de tirer une balle. Puisque comme ça du coup... Putain mais... Franchement... ça pourrait pas être... Ça pourrait pas se goupiller mieux en fait. J'utilise la balle, je chope un achievement cadeau et en plus ça me libère un espace. Porte de l'armurerie.
Quelqu'un notification du quoi? Oh pardon, notification du contre-key, insérez votre clé dans le port USB. Ok, donc il faut une clé USB pour pouvoir bidouiller ça, ok. Ah, c'est pour pouvoir ouvrir la porte, ok. Compris. Ok, donc on reviendra. We'll be back. Ok, ensuite, je sors là. On va voir si on peut ouvrir la porte là. Elle a l'air fermée complètement, mais... Ok, le truc, il a l'air toujours mort. Oh bah, il y a quelqu'un qui allait pas bien ici. Je dirais, hein. Je crois que je suis un peu à la buanderie, on connaît pas ici. Il faut une porte, c'est une clé carreau qu'il nous faut. Non. Ok. Nickel. Parfait! Que demande le peuple? Et par où je vais là maintenant? Dans le principe, bah tout droit. C'est magnifique. Ok, on redescend, on sauvegarde. Je repose le shotgun. Donc a priori, la seule bestiole qui grimpait sur les murs qu'on a vue, eh ben elle est morte. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres, mais bon. On verra. Ok, donc je repose ça avec les cartouches. On va poser la poudre, la grenade, le spray. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à choper? Donc le truc on s'en bat les reins. C'est tout, ok. Tac. La plante rouge, je vais la poser aussi, on s'en fout. Voilà. Combien de missions? 24. Ok, alors donc... c'était pour quoi déjà? C'était pour le détonateur, donc faut que j'aille tout en haut. Faut que j'aille tout en haut, ok. Ça progresse ma foi très très bien tout ça. Très très bien. C'est par là. Toujours morte toi. Oh là là, Killer Frost, bienvenue. Comment vas-tu? Merci beaucoup pour les... Oh là là, les beats et merci beaucoup pour le host, Weeping Jay. Bienvenue à vous deux. Hello à tous les Kinous. C'est toi le first Kinou. donc je monte. Je t'ai mon yo. Oh, puis on a le coffre à aller... en revenant, faudra faire penser à ouvrir le coffre. Enfin, je vais m'en rappeler, je pense. Ok. La plante rose, elle soigne aussi. Non, la plante rose soigne pas, mais cumulée à autre chose, elle peut... Je crois que ça décuple les effets d'une plante, en fait. Donc genre, si je le mets avec la plante verte, ça devrait faire un gros soin, une connerie comme ça. Peut-être un soin. Ok, alors. Par contre, le problème, c'est que j'ai peur que tous les cadavres à l'intérieur ils se réveillent, mais bon, on verra bien. Alors, hop, combiné avec la pile, voilà. Oh, putain, c'est à moi de mettre le... Ah non. Ok. 10 secondes. Ouais, j'en étais sûr. C'était mon problème. Et tu veux, quelqu'un parle des zombies, il ose pas venir sur le stream, parle d'un panier. Oh là là, ah. Attends. Mon dieu, Koimi. Mon dieu, Koimi. Oh merde. Merde. Il y a combien? Un? Il y a juste un? Juste un bridou? Bonjour.
Oh putain, mais sérieusement? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à loot avant? Tant qu'on est là. Non. Ok. Eh merde. Oh putain! Elki! Ça m'énerve, ça m'énerve. J'essaie d'anticiper là où la tête va être, mais... Chier! Tu me saoules! J'ai fait espace comme dans Dead Space pour lui éclater la tête, ça va marcher. Ok, alors... Panier, mon dieu. Quelqu'un qui a peur des zombies, il ose pas venir sur le stream, parle d'un panier. Effectivement, il y a un panier qui attend. Donc ça, c'est Koima, à mon avis. L'info a l'air plutôt sûre. Juste, faut pas vérifier. Faut vérifier, bah... Ouais, ok. On va vérifier. On va vérifier. Ce qui se passe. Oh, mon Dieu. Donc c'est... genre... Voilà, genre... ça va, t'as pris suffisamment de couches. Bon, c'est très bon, genre, régale-toi. Koima qui est un fou parce qu'il fait des paniers alors qu'il même il est pas là. Koima, ah, tiens, Pomme, dis-lui qu'il aurait pu faire ça pendant Dreamfall. Il s'en fout de ce spoil Dreamfall. Merci beaucoup, Koima, même si tu ne m'entends pas. En fait... Voilà, je lui ai envoyé. Parce que voilà. Donc, My Memory of Us, c'est un jeu d'aventure contemplatif, je crois. On le fera un de ces quatre, forcément. C'est le père Koima, ouais. C'est ça. Ouais. Bah, merci beaucoup, Koima. Voilà. Même si je viens de te le dire sur Steam. Hop, hop, hop. Allez, on retourne sur Resident Evil. Message transmis. De toute façon, je lui ai balancé un message. Alors, donc je voulais regarder ici. C'était le tout premier truc. Carnet d'officier. Il y avait deux codes, me semble-t-il, là-dedans. Ah. On a quoi là? C'est une nénette. Je trouve ça d'avoir un rapport avec ça. Hein. Voilà. Donc. La tête de la nana, l'arc et un serpent. Hein, tête de nana. Mm-hmm. Un arc. Putain, mais c'est tout dégueulasse, on voit pas. Ça va être l'arc et un serpent. Serpent, non. Yes. Médaillon vierge. Ok, bah ça me fait le troisième médaillon, du coup, on va pouvoir descendre. Ou aller, je sais pas où est-ce qu'on peut aller, voilà. On a 13 balles. Ça, c'est pas chouette, par contre. Ok, donc ici, c'est fini. On a quoi d'autre sur nous? Donc, on a juste le... Ouais, on a le médaillon et... Ah. Ta mère. C'est pas du jeu. Aïe, ça fait mal, putain. Bordel, dégage. Fuis. Cours. Plus vite. Aïe. Putain. Ouais, je vais pas pouvoir m'échapper, c'est ça. Chier. Tout va bien. Je savais que je pouvais pas le faire sans le shotgun. Ok. Ah. On se fait le coffre. Tant qu'on y est. Ça sent le clipper. Je pense que ça a clippé, ouais.
Les 3 DLC Resident Evil 2 Remake arrive le 15 février et c'est gratuit. Cool. Va falloir manger des plantes. Va falloir manger des plantes, tout à fait. Alors on a dit gauche 9. Gauche 9, droite 15. Et gauche 7. Yes. Merci Shinryu GG. Une sacoche. Ah bah oui, comme si on n'avait pas assez d'emplacement. Hein. Eh, quelqu'un qui a joué au vieux 2 peut me dire si... s'il y avait autant d'emplacement. C'est, j'avais l'impression de me faire plus chier que les emplacements dans le 1. Je suis là, quoi. Tiens, bah, du coup, on va tester, voir ce que ça donne la plante rouge et la plante verte cumulées. Certains objets peuvent être combinés. Merci, no shit. Combiné avec ça. Alors, j'ai plante V plus R. Reste entièrement vente synthé. Bah voilà. Tadam. Ok, on sauvegarde. Oh mon dieu, Hespéris, coucou Hespéris, bienvenue Hespéris, comment vas-tu Hespéris? Salut Hespéris. Ça fait longtemps Hespéris. Ça va bien. Il y en a easy autant, d'accord, ok, Killer Frost, ok, ok. Il y a peut-être plus de coffres dans celui-là, je sais pas. Ok. Le vieux 2, bah ouais, le vieux 2, je suis plus vieux que le 2, donc je peux dire que le 2 est vieux. Alors, du coup maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a le médaillon de merde. Le médaillon de... Tiens, en fait, notre pote, là, il est toujours pas transformé. Ça va? Dude. Ok. Franchement, je le... Ah tiens, c'est là, en fait. Je le décapiterai, là. Ce sera fait, déjà. Tac. Oh, magnifique. Donc classique, t'en avais pas autant, mais de mémoire, t'avais un peu plus de, un peu moins d'objets. D'accord, ok. Ils vont refaire le Resident Evil 3, ouais, j'imagine. Ça mène bien en bas. C'est bon, on peut sortir. Lieutenant Brana, Marvin. Rip. On fiche le camp. Marvin. Ah non. On doit vous emmener à l'hôpital sans tarder. Non, non, je... Sauve ta peau. Allez, je vais vous aider. Va-t'en ! On peut encore sortir d'ici tous les deux. Mais donnez... C'est trop tard. J'ai essayé, tu sais. Mais j'ai pas pu l'arrêter. On peut pas laisser ça se propager. Je compte sur toi. Va-t'en. Très bien. Pourquoi ça se referme? Sur moi, Marvin. Ça se referme. C'est pas bien. J'aime pas. Oh, je peux pas revenir. Chemin de la déesse. Eh, ça m'inquiète un petit peu, là. Je peux pas revenir. Ah là là, mais non, mais c'est pas bien, ça. J'espère qu'il y a un coffre, parce que sinon, on aura l'air con. Ah oui, c'est obligé, il fallait... non, putain, à chaque fois. Confirmer quoi? Confirmer rien, je peux rien faire. Il faut mettre un truc dessus. Ok. Alors, 98, il y avait plus de place? Non. T'en avais 8 de base, plus ta cage dans le caddie. Dans le classique, ok. Le truc rigolo, c'est que le joueur arrête pas de se faire mordre, ramasse tous les soins, mais aucun tu le soignes avec.
Bah oui, je sais. Oui, je trouvais ça... J'aurais bien utilisé un, mais bon. Apparemment, on peut pas. Tac. Ok, on a une machine à écrire ici. Non. Qu'est-ce qu'on fait? 2 secondes. Ça me gratte. Ça me gratte. Hop. Ok. Donc ça, on va le déposer là. C'est vrai que ça pourrait être considéré comme du spoil qu'il leur fasse, mais j'ai pris ça différemment, ce que vient de dire Tiny. Je me suis dit, j'ai comme comment jusqu'à maintenant, on a soigné personne, quoi. Pas on ne soignera personne. Tu vois ce que je veux dire? Ok, voilà. Je préfère avec des balles en plus. Alors, on a... ok. On est bien, on est bon, on est bien. Oh oui, oh oui, oh oui. Par contre, ça m'inquiète un peu de ne pas pouvoir revenir, en fait. On va lire, ok. Parce que on n'a pas tout fait, c'est de l'autre côté, en fait. Tout ça qui oublie toujours un mot dans ses phrases. Non, c'était Tiny. Bah ouais, parce que maintenant Twista elle a changé de couleur. C'est pour moi en plus qu'il a changé de couleur. Parce que je l'ignorais, mais il a la même couleur que moi. L'habitude. Ok. Mais oh là là, oh là là. Oh là là là, oh là là, ça vient de sauvegarder. Ok. Si tu me balances des liqueurs encore, on va pas être potes, hein. On va pas être potes du tout, du tout. C'est quoi ça? Bof. Bof, bof, bof. Je vous le dis tout de suite, bof. Si tu balances des liqueurs, tu veux finir pourri. Oh, des liqueurs. Oh là là. GG Marc, je valide. Twista qui a pensé à la même chose. Oui, c'est alcoolisé, les liqueurs. Probablement. GG. Avec modération, les liqueurs, oui. Ok. C'est rien, sans doute le vent. Sans doute le vent qui a mis des grosses bottes. C'est étrange quand même qu'on voit rien. Ok, il y a les munitions en bas. La musique qui fait flipper. Est-ce que je vais pouvoir passer là? Apparemment oui. Mon Dieu, qu'est-ce que... C'est Kenny! Putain. Il n'a pas l'air de vouloir discuter. Non, il veut pas discuter, moi non plus. Je doute que je puisse le buter avec des balles. Merde. Ah. Salut, à plus. Je ne fais que passer. Ok. Ah, ça peut-être. Permet de tuer les ennemis situés dans le rayon de l'explosion. Ok.
A plus. Ah, qu'est-ce que je fais? Je peux pas le... Oh. Putain, ça en fait des munitions. Et des plantes. Ok, ok, ok. Faut peut-être que je commence... Je crois qu'il va pas très très bien. Ouais, je pense qu'il faut que je lui tire dessus. Ah, attendez, je vais peut-être utiliser la grenade en fait. Ah, c'est une arme secondaire. Ok, ça l'a fait chier, j'ai l'impression. Je suis pas sûr que ça ait fait plus chier que ça, en fait. C'est du mensonge au fait. Non mais de tuer le ce qu'il y a dans la zone d'effet, je suis désolé, il est pas mort. Ah, viens. Kenny. Non, vous trouvez pas qu'il ressemble à Kenny de Obscur? Pas passer là-dedans en fait. C'est intéressant à savoir. Ah si. Chérie quoi? Oh putain, il saigne différent là. Je sais pas si c'est... Ah! Merde! Non! Je me suis... Merde. Il est où? Ah oui, il est où là? Il y a copiage de Obscur, il est sorti en 2004. Ah. Ah, t'abuses. Aïe. Oh, putain. Dans là, il faut que je tire en fait. Oh merde. Ah non non non. Je pense que c'est Ripla. Ah, ouf. Là, 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 là. Bon, par contre, j'ai plus de munitions, c'est pas chouette. Euh...
ça va pas le faire. Hein. Oui, il va. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite. Je m'y ferai jamais. Oh putain là. Non. Mais putain, il va arrêter de m'appeler chérie, ouais. Joli 40 balles. Au revoir. Adieu. Quelqu'un m'observe. Merci. Quelqu'un m'observe. Bon. Du coup, on va réclamer ça. Voilà. J'ai plus que 8 balles. Ça, c'est pas la joie. Où est-ce qu'elle est tombée cette échelle? C'est du harcèlement, ça, Mathieu. Tout à fait. J'ai loupé des trucs du coup du chat pendant ce temps-là. Bon, j'avais écrit un tout petit texte sur une incohérence du gameplay, et ce pourquoi ce n'était pas du spoil, ce que j'avais. Mais dedans, j'ai mentionné le classique, j'ai eu peur de spoil avec cette mention, du coup j'ai écrit ça à la place. Ok, ça marche, t'inquiète. Un kino qui courait dans l'herbe, je l'attrape par... ouais, d'accord, lol killer. Merci pour le heal, Pomme. Vous avez vu la référence sur le nom de l'arme de Léon, Mathilda, c'est ça? Non. GG first try. Ouais, mais j'aurais pu mieux faire. Là. En fait, j'aurais pu comprendre qu'il fallait tirer dans l'œil avant. Je me suis dit, tiens, ça saigne pas pareil, c'est pas grave, je continue à tirer, pas de soucis. J'aurais pu... on aurait pu économiser plein de balles, en fait. Là. Mais bon. On va espérer que le jeu soit sympa avec moi. Ok. Tac. Bah, il y a rien d'autre là. Là, il n'y a rien non plus. Ok. Donc ça, c'est vide. Et qui nous qui se sous-estime. Non, c'est pas que je me sous-estime, parce que c'était le premier try, au final. Non, c'était juste que... Et ben ouais, si je enfin, s'arrêtait à refaire, je saurais comment mieux faire, quoi. Après, voilà. Hein. C'est comme tout, au final. C'est avec l'expérience qu'on apprend. Ouais, mais on peut pas aider, c'est dur. Ah bah oui. Mathilda, la fille dans Léon. Comment s'appelle la petite fille qui est jouée par Natalie Portman dans le film de Besson? Ah bah voilà, Vandra l'a trouvée. Ah, pas mal. Cool ça. Ok. Nous voici ici. Donne-moi des... Encore? Sérieusement? Mais je vais finir par garder mon shotgun avec moi. En fait, c'est le jeu qui te dit non mais c'est bon, tu peux voilà, tu peux garder le shotgun maintenant. Il y a pas de souci, t'inquiète pas. Prends le shotgun. Tout va bien se passer. Et j'aurais peut-être pas dû utiliser la grenade d'ailleurs, voilà, aussi. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a de la poudre? On n'a pas de poudre noire, donc on peut c'est ça là. On va combiner ça et ça, comme ça ce sera fait, voilà. Touche plus de supérieur. Ok. Tac. 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 Je savais pas ça. Tu viens de nous apprendre quelque chose. Ouais, je m'en rappelle plus, moi, c'est clair. J'avais bien aimé Léon, je l'ai pas vu, je l'ai vu qu'une fois en plus. J'adore le sauvegarde en cours, n'éteignez pas votre PC. Ah bon?
Ah oui, mais moi je clique sur sauvegarde et j'éteins vite vite le PC, je le reboot, je le hard reboot là. Hop. Ça a sauvegardé. J'aime pas ça. J'aime pas. Y'a que moi qui trouve qu'il a une tête bizarre, Léon. Je suis sûr qu'il est pas humain en fait. Il a une petite tête de maître Splinter dans les Tortues Ninja, je trouve. Ok. Oui, tête de rat, quoi. Okay. Ok. Où est-ce qu'on est? Le parking. Il y a plein de trucs à looter, je suis sûr. Il y a un truc chelou qui bouge là-bas, là. Une flaque d'eau zombie. Nom de Dieu. Non, dans le coin, non. Alors, il y a personne qui a posé des cartouches par terre, ici? Dans la poubelle. Ok, donc a priori il y a potentiellement deux portes, sauf qu'il y en a une qui est rouge. Ça se trouve c'est un alien, c'est pour ça qu'il est jamais infecté. Ah, ceci explique cela. Bon, très important, hein. Toujours prendre son ticket de parking aussi dans un parking. Ok, il faut une carte. Mais j'ai pas de carte. Merde. Il me faut la carte. Derrière! Derrière! Un chien zombie! Oh, c'est pas vrai. Aïe! Je peux pas me lâcher! Un Zomberman! Hey! Qui êtes-vous? Attention! Baisse ça. FBI. Désolé. Merci. Pour votre aide. Bonjour, madame. Je me demande comment t'as survécu. FBI, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Désolée, cette information est confidentielle. Vous allez où? Un conseil pour ton bien. Ne pose pas de questions et fiche le camp d'ici. Oh là là. Hé hey, coucou Jimlao. Mais qu'est-ce que je dois faire? Bah c'est marqué c'est marqué, obtenir la carte du parking. T'es con Léon ou quoi? Comment vas-tu, Jimlao? Résident chenil, parce qu'il y a aussi des chiens. Résident canin. Ok, donc il nous faut une cacarte. Mais ce que j'aimerais bien, c'est des babales. Est-ce qu'on a dépensé la balle, d'ailleurs, en faisant ça? Non. Oh là là, une balle gratuite. Le jeu nous a offert une balle. C'est comme dans tous les jeux free-to-play, où au début, tu te dis, achetez des cristals, $20 pour 1500 cristals. On vous offre les 5 premiers. Comme ça, vous pouvez prendre le truc qui permet de construire plus vite. Et là, mais non, je veux les garder, mes 5 cristals. Moi, je veux pas construire plus vite. Vous n'avez pas le choix. Putain de jeu, ouais. Ok. Plan du commissariat B1. Ok. Oh là là. Ah. Oh, ah, oh, i, ah. Donc on va pouvoir revenir en fait, probablement. Ok. Ouais, des balles. Voilà, Royal Canin. Résident de Royal Canin. Ok.
Est-ce que t'es mort? J'aimerais tellement leur donner des... leur exploser la tête à coups de bottes. Bon là par contre ça craint. Là ça craint. Dans la prison là, ça craint grave. Attends. Je peux pas... Ok. Parce qu'à tous les coups, on va trouver une manette qui va ouvrir toutes les portes en même temps. Et il va y avoir 14 zombies qui vont sortir. Et puis c'est là où je vais me dire, j'aurais peut-être dû garder ma grenade. Salut. Ça va? Tu dis? Hein? Ouais, je comprends pas. Je t'ai vu venir à 10 km le jeu. Je suis désolé, mais c'est téléphoné cette histoire. Ok. Ah non, j'ai pas envie. Mais non, j'ai pas envie. Oh là là. Bonjour. Y'a quelqu'un? Non. Ah, j'y crois pas. Un vrai humain. Salut l'humain. Depuis quand vous êtes là? Salut. Trop l'humain. Longtemps. On est les derniers survivants? Non. Non, il y en a d'autres. Ah, c'est tant mieux, j'imagine. Ouais. Sauf si c'est Irons qui t'envoie. Irons? Le chef de la police? Il est encore ici? On s'en fout. Avec un peu de chance, il s'est déjà fait bouffer. Quoi? Comment ça? C'est l'enfoiré qui m'a enfermé ici. Je suis sûr qu'il avait ses raisons. C'est vrai. J'étais sur le point de balancer ses magouilles. J'aurais fait la même chose, j'imagine. Ah merde. Hé, hey, je te propose un marché. Libère-moi et je te donne ça. C'est le seul moyen de sortir du parking, crois-moi. Désolé, je peux pas faire ça. Bute-le. Je dois d'abord parler au chef. Écoute, on est tous les deux pris au piège ici. Donc, soit on fait un effort et on s'entraide, soit... Hé hey, merde, il arrive. Quoi? Qu'est-ce qui arrive? Allez, fais pas le con. T'as besoin de ça. Fais-moi sortir de ce putain de trou. Tu vas sortir, hein? Hop. Oh mon Dieu. Qui est là? Ce n'est que moi. Alors range ton arme. Je sais même pas ce qui s'est passé. Tout est allé si vite. Je t'avais dit de t'en aller. À moins que tu ne veuilles finir comme Ben. C'était qui? C'était un indique. Il avait quelques informations utiles à mon enquête. Donc ce qu'il disait était vrai? Hé, hey, arrêtez de me laisser en plan comme ça! Je connais même pas votre nom! Moi, c'est Léon Kennedy. Trouve un moyen de sortir. Tant qu'il est encore temps. Ensuite, on verra. Moi, c'est Ada. Adada. Marché conclu, alors. Eh ben... Tu peux pas les tuer à travers les barreaux avant d'ouvrir. J'y ai pensé, mon écho, mais je me demande si le jeu va pas nous troll. En les faisant, en les relevant une fois qu'on ouvre les portes quand même. Ça veut dire que j'arriverai avec zéro balle. J'ai un doute. J'ai quand même un vieux doute que ça fonctionne bien. Donc, pourquoi pas. Oh, yes! Le cric, c'est pour le cric. C'est le cric et le croc. Donc ça, je vais pas faire tout de suite. Là, il y a un truc à lire.
Panneau électrique des cellules. Le panneau électrique est HS. Est-ce que le responsable pourrait régler sa vide? Tout le monde doit le savoir, mais vu l'âge du panneau électrique des cellules, on va avoir besoin de pièces que plus personne ne fabrique. Il doit y en avoir dans la salle du générateur. On me signale qu'il n'y a qu'une seule de ces pièces dans la salle du générateur. Le type venu réparer la cloche dans la tour de l'horloge doit en avoir une autre. Il faut que quelqu'un lui pique, enfin lui demande gentiment. Ok, donc on va peut-être pas pouvoir ouvrir toutes les cellules de toute façon maintenant, donc je pense que c'était plutôt la manuelle et la porte fermée. Ah, tu crois? Pff. Ouais, t'as probablement raison. La couette qui t'a... Ah, c'est quoi la couette? Le cheval, il est cool avec ses petites papates devant et ses petites papates derrière. Lol. Ok, ouais, tu dois avoir raison, Maneko. Avoir des balls dans le jeu, c'est primordial. Oui. Et là, on n'a pas beaucoup de balls. Je vais bien le dire. Donc si je fais ça... Ça ne marchera pas, c'est ça. On est d'accord. Ok, alors, je vais regarder aussi si... je vais voir la tronche que ça a, ce truc-là. Il faut réparer ça. Il va y avoir un puzzle. Killer Frost, merci beaucoup pour les bits. Les bits, les bits. Va-t'en, toi. Groumph. Je sais même plus où c'était. C'était là? Non, c'était où? Je sais même plus où c'était le... Ah oui, c'était au début. C'était là. Avec qui est arrivé en mode fufu? Non, il était là depuis un moment. Je dis bonjour même. Pour une fois que c'est pas moi qui le... Qui le loupe. Est-ce qu'on descend pour... c'est en bas pour sauvegarder, non? Je sais même plus. Ah si, c'est là. Non, on est bien comme ça. On va sauvegarder ici. Yes. Ok. Donc alors, je me rappelle du truc... Mais ça avait pas l'air de... Ça ressemblait pas à ça, en fait. Oh là là! Kaedz! Genre. Merci beaucoup, Kaedz, pour le resub. 4 mois de Prime. Et je sais pas si tu es dans le coin. Si tu es là, coucou. Merci. Oh oui. Ok. Donc alors. Peut-être là. Là, c'est vert, c'est allumé. C'est allumé... Ah oui, c'est les cellules. Ok, pardon, tant pour moi. Il faut que je teste la porte derrière, là-bas. Ok, donc là, ça marche pas. Putain, je me rappelle plus du tout où c'était. Là. Ça marche. Ah oui. Ok. Jolie la danse, merci. Merci Killer, c'est la faute de Twista en fait. C'est Twista qui m'a forcé. Oh oh. Rip monsieur. Rip, reste rip s'il te plaît. Destruction d'équipement, objet à détruire, clé du véhicule de patrouille 7439 des classes. Détail, clé pliée, inutilisable, mais pouvant encore ouvrir les portières et le coffre de la voiture grâce au bouton. Need. Une boîte, il doit y avoir des trucs dedans. Examinons la boîte. Ok. Et là on est dans The Room en fait. Yes, une clé très abîmée. Cool. On va pouvoir ouvrir la voiture, je suis sûr qu'il y a des munitions dedans. Comme si on pouvait forcer le killer à faire quelque chose. Ah bah si, quand on s'appelle Twista, on peut.
Message de Monsieur Raccoon. Salut tout le monde, c'est votre copain du zoo de Raccoon City. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose... Ah non, mais attendez. Salut tout le monde, c'est votre copain de zoo Raccoon City. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vous connaissez les jouets de Monsieur Raccoon ? Eh bien, j'ai entendu dire que certains garnements les utilisaient pour s'entraîner au tir. Eh ben ça me rend vraiment triste, hein ! Les gentils enfants ne feraient jamais une chose pareille, n'est-ce pas ? Et puis c'est très dangereux. Alors, ne faites pas ça. À bientôt, Ozo ! Voilà. T'es sur le 2 de The Room ? Cool. Bizarre, je suis ça, mais j'ai pas eu d'annonce ce mois-ci. Peut-être les nouvelles règles ? Je sais pas du tout, Avia. T'as essayé de F5 ? Oh, il faut une clé carreau. Une clé carreau. Ouh, ils sont pas que un. Ouh, ils sont, il y en a plusieurs. Ouh, là, il y a les munitions derrière, c'est ça ? Comment je le sens pas? Ah, faut que je tue le... la petite bestiole. Y'a rien d'autre, je crois. Y'a rien d'autre. Ah, quoi que si, attendez. Non, c'est derrière. Ah, attendez. Donc là, il faut la clé carreau. Pas grave, normalement c'est le 28-29 du mois. Les raccoons sont nos amis, tout à fait. Mais... tout de même... Ah, c'était pas une mission, là. J'ai pas... Il faut que j'aille regarder, quand même. Attends, ils sont pas relevés, là. Elle s'est relevée, elle. Non. Je me demande si j'ai pas... parce que j'ai pas été regardé sur... Bah non. De toute façon, la pièce est rouge. Elle est pas rouge, donc c'est que j'ai tout looté, en fait. Ok. Je me corse. Avoir des options de compte, c'est pas important. Bah si, c'est important. Il faut célébrer. Il faut célébrer le soutien des Kinou. Ça, c'est important. Ok. C'est vrai que cette voix est digne du parc d'attraction de Silent Hill 3. Oh là là, j'ai pas fait Silent Hill. Je n'ai fait aucun des Silent Hill. C'est un truc qui manque à ma culture, hein, qu'il faudrait que je fasse un jour. Apparemment, Silent Hill, c'est vachement bien. Bon, alors, donc du coup. Ah, il y a un chenille là. Fais chier. Oh là là, il y a des chiens dedans, on les entend, c'est pas bien, non. Aouh, aouh, aouh. Une plante violette. Bleue, pardon. Je sais plus ce que c'est que la plante bleue. Alors par contre, là, ça va être chiant, les chiens. Ça va être très lourdingue. Parce que les chiens, ils vont vite. Ok, c'est le seul moyen d'accéder à la morgue. Oh putain, est-ce que je les bute avant? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas assez de munitions de toute façon. Ils vont sortir après, mais bon. La morgue, c'est pas mal aussi comme endroit dans un univers de zombies. Je pense. Ça. Ça ne présage que du bon. Alors, ça ouvrirait. Un truc?
Ah ben. Voilà. Voilà, comme ils sont, vaut mieux les tuer. Ouais, mais je pense que... Encore une fois, j'ai peur que le jeu me trolle. Je dépense des munitions pour les buter dans les cages. Les cages s'ouvrent et les chiens sortent quand même, quoi. Revivent et sortent. Ok. Donc on a fait le tour. A priori, c'est tout bon, là. Ok, avant d'aller vérifier la morgue et tout ça, je vais regarder un truc. Merde, salle du générateur. Ah, je peux pas passer par là, en fait. Chiotte. Je pensais, ok. Huh. Ok. Ouais, je me méfie du jeu qui troll, là, très franchement. Composant électronique en boîte. Ok, donc c'est un des composants électroniques pour ouvrir les grilles. Oh oh! Oh oh! Je le sens pas. J'entends du groumph. Alors même les cages s'ouvrent jamais, tu les as tués pour rien. Aussi! Ce qui est encore pire. Ok, hop. Ok, on a tout looté ici. Donc, c'est marrant parce que on a tout looté, mais il y a tout ça là. On n'a pas mis les pieds. Coucou le Mika, l'Emi, t'es qui? Mais je ne suis personne. Oh! 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 Oh le soupirail! Bon, je vais quand même aller regarder derrière. Mais je le sens bas, le soupirail, là. Je le sens pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Pardon ? Je suis pas trop là. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? Qu'est-ce que... L'endroit est tellement propice à balancer un petit truc qui court vite vite. Mettre les choses dans le rouge peut-être. J'y pensais, mais... Regarde, tout est vert. Tout est vert, donc je me suis dit que c'était bon, mais... Ah bah oui, t'as raison, parce qu'il n'y a pas de... Ouais. Je pense que t'as raison. Attends. Ça. Celle-là, elle bouge que ça en fait. Ok. Ça, ça bouge tout ça et pas beaucoup l'autre. Ok, donc c'est pas celui-là. Ah, dommage. Ouais, t'as raison, Maneko, je pense. Alors attendez. Donc celle-là, elle bouge que celle... Okay, elle bouge celle de gauche, vachement. Huh. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de réaction quand... quand ça arrive dans le rouge, il n'y a pas de retour, en fait. Est-ce que c'est possible vraiment? Tac. C'est bon, mais non. Ah, yes, ok. GG Maoneko.
Pour pas GG Maoneko en fait. Pas GG en fait. Putain. GG, pas GG. GG, pas GG. Ah! Tape! Deux balles. Ok. Du coup, on peut sortir. On va refaire tout le tour. Oh là 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 là. Il veut plus sortir. Ok. Non mais la morgue. Va y avoir la morgue. Bonjour monsieur. Ok. Rapport d'autopsie numéro 53-417. Non, tu... On se calme la musique là. Il y avait pas trois chiens. Si c'est bon, il y en a plus en fait. Là, il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5 qu'on a vu. Justin Hansen, homme blanc, 39 ans, retrouvé mort dans sa cellule par les gardiens. Les poings sont encore serrés par la rigidité. Cadavérique qui disparaîtra vite. Il est sans doute mort peu après l'extinction des feux. Le défunt était un kleptomane notoire, incarcéré à de nombreuses reprises. Il a même continué à voler en prison. Ce qui bien étonnant. Ce qui bien qu'étonnant confirme son diagnostic clinique. Ok. Ah, va falloir que j'ouvre les tiroirs, c'est ça? Putain. Ok, d'accord. Oups. On le sort complètement? Faire la tour par l'autre côté. Oh, bien! Merde! Dégage. Ah, puis il y a l'autre en plus. Chier quoi. Ah, t'es toujours pas mort. Bonjour, je gâche des... balles. Mettez un peu plus fort maintenant. C'est bon? Vous êtes morts les amis? Ok. Suivant. File-moi des munitions maintenant le jeu s'il te plaît. File-moi des... Ok. Rien. Ok, il reste toujours des trucs à loot. Hein. C'est pas mal. Referme, referme, voilà, nickel. Ok. Ouais, rien. Ouais, rien. Oh! Ok, j'ai l'impression qu'il y avait rien de toute façon. On referme. Tac. Ok. Donc il nous reste plus que une. Ah, on a fini. Ok. Donc j'imagine que. Pff, allez, par acquis de conscience.
Par acquis de conscience, on va quand même regarder. Ok. Rentre maintenant, rentre. Voilà. Nickel, ok. Pièce. Check. Donc on va sortir par là. Repasser par le chenil. Youpi. Putain. Est-ce qu'on a des trucs à... Tiens. Oh. Il est pas mal ce shotgun. Non mais attends, mais qu'est-ce qu'il me fait là? J'ai dit mets ça là. Merci. Qu'est-ce que ça fait ça? Mélange de plantes RB. Mélange de plantes élimine les toxines, réduit les dégâts subis et protège tempérament contre le poison. Ok. Je m'en fous en fait là, tout de suite. Ok, ça veut dire que j'ai pas de soins. Merde. Et une balle de shotgun Dawind. Cartouche plutôt. Bien. Oh. Poule. Franchement, moi et mes shotguns. Moi et mes shotguns. Ok. Mais shotgun peut avoir beaucoup de munitions. Ok, il y en a d'autres. Hein. Je pense qu'il y en a d'autres. Ok, on va... On a la clé carreau maintenant, donc on va aller ouvrir cette porte-là, en fait. Tant qu'on y est. Quelle heure il est? Ok, il nous reste encore une heure de résident débile. Merde! Putain! Ouais, ouais. Souffle, souffle, Léon, souffle. Je sais pas si c'est une très très bonne idée en fait, mais bon. Je suis parti, hein. Oh, ils sont plus là, c'est con. Uh oh. Ok. Pellicule, ok. C'est tout, ok. Ils sont où les deux zombies qu'il y avait dans le stand de tir? Ils m'attendent... Oh là là. Ok, j'aime pas ça. On peut passer par là maintenant. Je me demande si ça va pas être un raccourci. Toi aussi tu soupires à tout ça. Ok, tout va bien. Tout va bien. Non, c'est pas ça. Chacun fait. Merde. S'il y a du bruit en haut, vous inquiétez pas. C'est normal. Ah! Oh! Ok. Tac. Sauvegarde. Ok. Mettre ça là. Donc dépose ça. Dépose la pellicule pour l'instant. Ça on va garder aussi. Ça on dépose. Et je vais juste me prendre une plante verte pour me soigner un petit coup. Tac, tac. Et on va mettre ça là.
Magnifique. Est-ce que j'appuie là-dessus avant? Allez, j'appuie là-dessus avant. Je savais que c'était la lumière, je m'en doutais. Ok, il reste encore des trucs à loot. Tac. C'est surtout pour faire la blague soupirail et le fait qu'il soupire et qu'il a mal. Oui, ok. Je n'ai pas compris sur le coup, effectivement. Ok, avec le casque, t'entends tous les sons. J'imagine que c'est peut-être plus difficile sur le live, effectivement. Oh, il y a une... munition pour Magnum. Magnum. Comment ça ? Et yes ! On a tout ce qu'il faut, en fait, maintenant. C'est ça que t'essaies de nous dire, le jeu ? Ok, donc le Magnum, on s'en bat les jboobs. On va poser ça pour l'instant. Il y avait un Magnum dans le premier aussi, si je me rappelle bien, et c'était bien beau. Hein. C'est ça, là. Qu'est-ce que j'aimerais, une touche pour tout ranger en fait. Ok, on va sauvegarder ici. Tac. You're back. Welcome back, Jim Lao. Welcome back. Ok. On a tout sauvegardé, donc tout va bien. On peut mourir. Hein. De 18 façons différentes, sans problème. Ah ! Ah, d'accord. Ouais. J'ai rien pour calfeutrer, là. Putain, nous deux. Ah ! Ah oui, saloperie là! Ah mais non, non! Ah ouais, sans calfeutrage là, j'ai l'air con là. What the fuck? Ça. Hein? Non! Ok. Ça, ça. Ah putain! Clic, clic! Bah non, pas clic, clic! Putain. On est revenu ici, d'accord. Et lui, il fait chier en fait. Bon. C'est pas glorieux tout ça. Hein. C'est pas glorieux tout ça, mais on est revenu ici du coup. C'est ce que je pensais. Bureau Est. Par là. Oups, non, non. Non, non. Non, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Putain, j'ai oublié par où c'est. Faut y... par là. Le clic-clic du stress, hein. Oh là là. Ok. Bon, mon pote, il est... Je pense qu'il est... Il a rip, non? Ah ouais. Marvin. Oh, non. Marvin. Merde. Non. Et il s'est mangé le bord du monument. Ah! Marvin! J'accomplirai ma mission, lieutenant. Coûte que coûte.
Pardon. Je me souviens, c'est l'histoire de sa première journée de travail. On sait ça. C'est bienvenue. Bienvenue. Bienvenue chez la police. Ok. Est-ce qu'on a une... Non. Oh, fais chier, je vais pas utiliser. Je vais le prendre. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors. Est-ce qu'on avait... Je me rappelle qu'il y avait une porte carreau. C'est la buanderie, là. Ok. Faut monter aux douches. Je sais plus ce que c'est que l'armurerie, ce qu'il faut pour débloquer la... Le truc à l'armurerie. On en a eu des objets. Non, de toute façon, faudrait que je revienne aussi... Je reviens là où j'étais en fait. Par contre, j'ai vraiment là, ça craint grave en fait. Au niveau des munitions, dites donc. Ça craint. J'ai deux poudres supérieures jaunes. Ça, c'est pour créer du mag, ok. Bon, la pellicule, faut que je la prenne. Tiens, on va aller développer la pellicule en fait. Premier jour, vous voulez tuer tout le monde. Lui, je sais pas s'il veut tuer tout le monde, mais. Ça m'énerve. Il est blessé, il faut que j'attende qu'il se prenne un coup de plus. C'est le ballon. Oh, je l'avais oublié lui! Ok, ça c'est bon, je peux me soigner maintenant! Recharge! Foiré, rends-moi mes cartouches! Putain, j'ai plus de munitions du tout, chier! Mais de rien, Twista. Voyons. Rien, de rien. La buanderie, ok. Oh mon dieu, Oyama! Comment vas-tu, Oyama? Bah oui, ça va bien, et toi? Comment vas-tu? Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Sur le canap. Ok, donc faut que je te trace. Tracing. Ok, on est ok. On est ok. On est bat. On est in. Cric, cric. Ok, elle sert plus maintenant cette clé là. Ok, tout va bien. Tac. Coffre portatif. Ok. Et c'est tout. Comment ça marche déjà ce truc là? Ah oui. Il faut appuyer dans le bon ordre en fait, c'est ça. En hard, j'en ai chié pour mon deuxième mandat. Tu m'étonnes, Arnaud. Tu m'étonnes. Alors. Hein? Ah oui, c'est vrai, quoi. C'est pas comme ça, je peux pas cliquer. Chaque fois, je me fais avoir. Eh merde. Tu
c'était rigolo ces trucs-là. Ça va, on m'a pas mal occupé en ce moment. Pas mal occupé récemment. Je suis allé plusieurs mois à Londres aussi, donc j'étais beaucoup moins sur mon PC. Ouais, tu m'étonnes. Oh yes, la pièce de rechange. Cool. Bip, badip, boop. Tout à fait. J'aime bien bip, badip, boop. C'est rigolo. Donc on peut redescendre par là en fait. Par là. Ok. Et on va aller. Faut descendre en fait. Enfin non. Si, faut descendre. Par là. C'était pour les études, ok. Cool. Jamais, j'ai été à Londres uniquement à l'aéroport en fait. Jamais été à Londres même en fait. C'est sympa comme ville quoi. Ce que je sais, c'est que ça coûte ultra cher. Hop. Tac. C'est tout ce que je sais sur Londres en fait, que ça coûte cher. A chaque fois que je vois le numéro de la sauvegarde, j'ai l'impression que c'est mon niveau. À chaque fois, je dis ouais, putain, à chaque fois, j'augmente de niveau, c'est trop bien. Donc, on va aller. On a dit chambre noire, salle des casiers. Ça devrait être plutôt simple. Paf. Toujours pas de. Non. Ok, donc juste en face, on a ça. On met la touche là. Oui. Donc on peut faire le 3 maintenant, alors, attendez. Donc on peut faire 103. Et 203, ok. Et jamais 203. Merde, hop. Ok. Il y a un couteau dedans, c'est bien. Et 203. 203. Oh putain, encore de la place d'inventaire. Super. C'est plutôt cher, je me suis bien amusé. J'ai visité beaucoup de bars à Londres. Il y en avait de très cool. Cool. Je blande un truc, quel kilo. On est facilement perdu dans un jeu car tous les couloirs pièces m'y perdent. En jouant, tu retiens les lieux. Ouais, non, on retient pas mal les lieux en fait. Toi, tu t'y perds, ouais, c'est normal. C'est parce que tu joues pas en fait. Moi, je. Ouais. Je reconnais. Je reconnais les lieux. J'imagine qu'il n'y a plus de sacoche là, ça fait beaucoup là quand même. Ok, donc ici c'est fait, ce n'est plus à faire. Donc on va aller à la chambre noire maintenant. Jamais 203, effectivement, c'est ce que je viens de dire. Tout à fait, jamais 203. Ouais. Ok. Pellicule, utilisée. Ah ah! DCM. DCM. C'est quasi en haut. DCM. Ton univers. Casier 3F. F. Donc ça doit être c'est là. Ok, bon, on sait où aller. Ah, je vais sauvegarder aussi tant qu'à faire. Il y a une sauvegarde ici, hein. On va pas se faire chier. On joue pas en normal pour des prunes. Ok, allez, on monte. Oh putain. Je me demande s'ils peuvent les péter au bout d'un moment.
Non, 50 ans pour l'écrire. 50, 50 et... Oui, et 51. On pourrait aussi écrire... Vincent, 20 et 100. Voilà. Alors, ok, DCM. Là. Oh merde. Ok, je m'en fous. Marrant, c'est j'ai les combinaisons partout, mais c'est toujours écrit quelque part et même pris en photo maintenant, ouais. Il y a du vilain là de l'autre côté. En même temps, on a besoin de rien. Hein. Comment on peut faire pour aller là? Je sais pas du tout. Il nous avait dit en plus qu'il fallait aller à la tour de l'horloge. À mon avis, il faut passer par ici, ouais. Et donc, il nous faudrait la... Peut-être qu'on peut utiliser ça, hein, dans la bibliothèque. Ok. Non. Non. Non, 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 non. Nope, 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 nope. Nope. T'as toujours la porte fermée à manivelle. Non, on l'a ouverte, je crois. Il me semble qu'on l'a ouvert. Monéco. Vincent, oh là là, j'aime, lol. Jimlo est fou. Oui, mais ça, on le savait déjà. Ok. Je crois qu'on l'a ouvert parce qu'on est passé par derrière en fait, de cette porte là en fait. Je vais pas dire de bêtises mais... ok. Tac. Coucou douceur peluche, bienvenue. Je passe vite fait avant dodo pour dire bonjour. Eh ben bonjour. Ça va bien j'espère. Alors attendez, je vais aller à la bibliothèque. La bibliothèque. Je monte et je vais à gauche. Ouais. N'empêche le petit coffre portatif, j'aime bien cette idée, je savais pas que ça existait. Ah bah ça existe dans Resident Evil. Est-ce que ça existe en vrai? J'ai un doute quand même plus tard. Mais sachant que c'est pas forcément difficile à faire, j'ai envie de dire pourquoi pas. Putain, je veux voir si ma manivelle elle peut marcher là quand même. Non. Juste pour être sûr. Ah putain, faut que je remette la clé aussi. Donc il faudrait qu'on retourne du côté du garage en fait. Très très fatigué, je suis en vie mais c'est le principal. Eh ben écoute, repose-toi. Si tu veux, tu peux même t'allonger sur le canapé, il y a de la place. Hein. Okay, hop là. Tac. Parce qu'on n'a pas besoin de toute cette place là quand même. Putain, on a trop de place. Ni de vraiment des munitions là. Ça craint. Grave. Alors, comment on fait pour retourner Je passe par là. Conférence, toilette. Salle d'attente. Ah, c'est là, trop de manivelles. Ouais, c'est là, Monaco. En fait, t'as raison. Tu as raison, comme d'habitude. Enfin, comme souvent. Des fois, tu n'as pas raison. Là, en l'occurrence, tu as raison. Je te félicite. Allez, je file. Ça marche, douceur peluche. Bonne nuit. Merci d'être passé. Si jamais t'es dans le coin demain, le live sera à 16h. Ou peut-être à 15h si... Ah ouais, tiens, maintenant qu'il y a un peu plus de monde, je vais redemander. Hein, les gens, qu'est-ce que vous pensez de... De faire peut-être 3 heures de Tower of Time et 1 heure de Anno 1800 en version bêta pour voir ce que ça donne. Juste une petite découverte. Est-ce qu'il y en a que ça intéresse? À part Thuma qui a dit... Mais... Tac, tac, tac. Tweak, tweak. Je reste sur Resident Evil 2. Non, à 23h, je passe sur Dreamfaller. Comme prévu. Ok. Même si ça me fait un petit peu mal à mon petit cœur quand même, parce que ce jeu-là, il est bien. Mais... Je peux pas le péter.
j'ai pas de... je vais pas le péter au... je vais pas le péter shotgun quand même. Même si... si tu vois, si je faisais 5 heures de Resident Evil 2, et ben ça voudrait dire que la prochaine fois, il faudrait que je fasse 5 heures de... Oui. 5 heures de Dreamfall et... c'est peut-être un peu beaucoup, enfin voilà. Donc je me tiens à ce que j'ai prévu et puis voilà. Ok, on va descendre. C'est toujours bien découverte. Ouais, d'accord. J'ai mis des tapettes à souris et des punaises sur mon clavier pour éviter de t'aider. Lol Tiny. Ah oui, pour voir ce que c'est. J'ai vu que c'était un jeu de stratégie, mais j'ai pas vraiment compris. En fait, c'est un jeu de gestion. C'est un jeu de gestion. Twista. En fait, je suis passé vite fait sur un stream d'Anno. Un peu plus tôt, ça m'a vite saoulé. Ouais, je peux comprendre. Hein. Après, moi, je vais juste en faire une heure en fait. Bonjour. Ah merde. Est-ce que je veux que ça marque? Ok, c'est bon. Eh merde. Eh merde. Y'a rien d'autre? Chiotte. Ok, il va falloir monter maintenant. Et pour ça, j'ai dit pas spécialement. Ok. 5 heures de Dreamfall offre un abonnement à la ligne anti-suicide, ce sera plus efficace. Oh, t'es méchant, Louis. Bon, c'était pas The Hell qui nous... Ouais, c'est vrai, non mais... C'est gentil, merci, tu m'as. Et pas... C'est mieux avec El Kino. Ça dépend. Ça dépend des jeux, je pense, quand même. Essaye au couteau pour la figurine, j'ai pas essayé, donc j'ai tenté. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Putain. Le relou, va. Putain de merde. Bah non, j'ai pas, hein. Essayer au couteau alors. Comment je fais pour le couteau? Espace. Yes, ça marche. Bien vu. Ok, donc là il faut qu'on monte. Un peu plus. Ah ah. Ok. On pourra barricader un truc. Ok. Encore des trucs ici. Yes. Ok. Alors, salle de stockage ou terrasse? La terrasse, la sent pas trop. Mais bon. De la pluie, non. Ça fait mal. Allez, on peut descendre par là. Ok. Remonte, remonte, remonte. Il veut pas. Je sais même pas ce que je... Ok. Je le fais, hein, faut le faire. On est où là? Ça gêne encore aux USA? Bah ça les... Ah. Ça m'a fait marrer quand j'ai vu ton post sur... ton message sur Discord, Arnaud. Tu disais, alors ça va les moins de 50 degrés aux États-Unis? Les États-Unis c'est grand, hein. C'est très très grand. Tu peux mettre quoi, 50 fois la France? Ça gèle. Alors ici chez nous il a fait moins 15. C'est dans le Dakota du Nord où il a fait moins 50. À Chicago il a fait moins 30.
Donc là, ici, là, il fait... combien... Alors, attendez. Regardez. Il fait 2 degrés, là. Donc ça va largement, là. Donc la réponse est oui. Ça va toujours... Il va toujours... Toute l'année, il va toujours y avoir quelque part un endroit où c'est gelé aux États-Unis. Obligé. Attends, je suis je peux mettre là. Ah, de l'autre côté. Hein. Ok. Dring, dring. Désolé, Serania. On s'arrête pas. Ok. En Alaska, il fait moins 40. Il y a un truc chelou là-bas. Je peux pas les stack. Hein. Non. Okay. Oh, je le sens pas. On a tout looté apparemment. Ok, non, je préfère ça en fait. Je devrais pas parce que c'est vraiment mal ce que je fais parce que du coup les liqueurs ils vont poser problème en fait. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait. La chaufferie. Ok. Tiens, bah tiens. Comme ça et ça. Oh oh. Someone else has a key. Yes! Une clé trèfle. Ok, on va mettre les trucs au coffre. Alors ça on dépose. Ça on dépose. Ça on dépose. Ça on dépose. Ça je vais garder pour l'instant. Ça on en a plus besoin. On dépose. Ça on a toujours besoin. Toujours besoin. Ok. Coucou Pastèque, comment vas-tu? Bienvenue. Oh oui, Pastèque est là. Bienvenue Pastèque. Sauvegarde. Moins 50 en France, là je reste sur ma côte. Bah en fait, à moins 50 en fait, si tu sors, apparemment, si tu sors, il faut pas sortir plus d'un quart d'heure, il faut prendre des petites respirations. Si tu prends de trop grosses inspirations, en fait, tu peux te geler les poumons. C'est pas top. C'est pas super pratique. Ok, donc là je vais remonter, on va aller là et on va calfeutrer cette fenêtre là en fait. Ok. À plus. Je pense qu'en hardcore en fait il faut les éviter le plus possible les zombies. À mon avis. Alors on peut rentrer par là. Ah ben, on n'a pas le choix en fait. Et ce truc là, attendez. Ah. Je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse ça. Mais c'est bien. Il y a quelque chose à loot maintenant? Non, c'est juste que je peux monter maintenant en fait. Ça vient de sauvegarder, dites donc les amis. Ouah putain. Ouah, putain! Le monsieur, il a pas l'air très chouette! Bah oui, mais non!
Ah putain. Ah. Tu veux pas le tuer? Merde. Chapeau bas. Je vais virer son chapal. Je me casse. Non mais ça va pas, ouais. Oh la musique. C'est sûr qu'avec un nom comme monsieur, moi aussi je serais bourru. Hardcore, tu tues les plus gênants, ouais voilà, ça m'étonne pas. Ok. Je pense qu'il va m'a lâché là en fait. J'avais dit qu'il fallait que je monte. En fait il m'a pas lâché du tout. C'est pareil, faut aller. Et là je monte. Non, je descends. Ouais. Ouais, ou pas, ouais. Il m'a lâché. Ouais. Je crois qu'il arrive, hein. Oh, ta race. Ah, oh, sérieusement. Ah. Je sais, il faut mettre le joyau dedans. Tout va bien. C'est un peu stressant, ouais. C'est pas un spoil, garde tes balles. Non, c'est pas un spoil, mais c'est du backseating, Arnaud. La part de confiscation. 14 août 98, lieu salle d'attente de FRPD. Raccoon Police District. Cause de la confiscation, individu surpris dans la pièce susmentionnée. Lorsqu'il a été interpellé, il a tenté de fuir en simulant la confusion, mais a été arrêté. Une note en sa possession a été confisquée. Remarque, tout le monde sait déjà de quoi on parle, mais au cas où, il s'agit de Justin Hanson, 39 ans, habitant de la ville, célibataire, habitué de nos cellules. C'est pas vraiment un truand, plutôt un kleptomane vraiment stupide. J'arrive pas à croire qu'il ait tenté de faire ça dans un commissariat. En fait, si, c'est grave un spoil ce que tu viens de dire, Arnaud, parce que ça veut dire qu'il faut pas que j'utilise mes balles sur cette créature-là, que c'est pas comme ça qu'il faut la tuer. Donc là, tu viens de balancer un spoil, mais énorme, en fait, Arnaud. Bref, c'est fait. Il y a un morceau de papier dans un sac plastique. Ok, 6... 6 de 11. Ah, 6 gauche, 2 droite, ok. 6 gauche. 2 droite. Et 11 gauche. Ça fait 3 minutes que je ris à cause de ton titre. Eh ben tant mieux, Pastèque. C'est fait exprès. Ok. On a pas tout looté ici. Reste de la poudre, mais où? Ah. Ok. J'aime bien parce qu'en plus, c'est pas un spoil. Si, c'est un spoil. C'est le pire spoil que tu pourrais faire, en fait, sur ce truc-là. Ah, putain.
J'ai un petit bouton qui vient de pousser là. C'est le stress. C'est le stress du spoil. Ok, alors. Donc là, objectif. Objectif. Il faudrait retourner dans le garage en fait. Non, à la salle d'attente. Donc si on pouvait retourner là déjà, ce serait pas mal. On a aussi en fait la clé trèfle. Mais voilà, ici là le parking. Maintenant on a ce qu'il nous faut pour ouvrir les cellules en fait. On a aussi la porte des archives là. Ok, faut que je rentre en fait. Faut qu'on retourne là. Donc je sors, fais tout le tour, les escaliers. Ah putain, ok, d'accord. Ok, bah tiens. Ça ira mieux comme ça. Trouve la petite palle. Ah, la boîte à bijoux, merci, j'avais oublié. T'as raison. Il faut que je combine avant. Tac. Mais là, je combine. Merci. Hop. Bien vu, j'avais complètement zappé à... Non, t'avais pas dormi. J'ai un badge du Stars. Un badge spécial de la division des forces spéciales du RPD. Oh. C'est une clé USB. Eh ben, on sait où l'utiliser, dites donc. Ok, non, ça, toi, tu vas là. Okay. F5. Bonne soirée, Arnaud. N'hésite pas à t'excuser aussi, hein. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Hein. Eh merde. Est-ce qu'il va passer? Normalement, il passe pas. Ok. Oh. Je me demande si c'est pas un code, ça. Non. Oh fuck, mais comment tu veux que je passe? Comment je suis censé passer moi? Je trouve qu'il court pas vite ce flic aussi, hein. Je tiens à le dire. Je suis obligé de passer par là, j'ai pas le choix. La poudre noire, ça sert à crafter des balles, en fait, des munitions, viens. Ok. On va où, là? On est bien, là. Okay. Je reviendrai. Je vais sauvegarder là. Je vais sauvegarder. Et après on va se faire le coffre. Je me demande s'il peut arriver jusqu'ici. Ah, il doit pas pouvoir traverser les portes à clé spéciale en fait, je pense. Ok, tu vois, si je mets de la... Regarde, si je combine de la poudre noire avec de la poudre jaune, ça va me faire des cartouches de fusil, en fait. Si je combine deux poudres noires, ça me fait des cartouches de flingue de 9 mm. Et si je combine deux poudres jaunes, ça me fait des cartouches de magnum que je n'ai pas encore. Oh, tu te fous de ma gueule? Je fous de ma gueule, il vient jusqu'ici.
Mais c'est du foutage de gueule! Mais c'est du foutage de gueule! Alors, si je m'attendais à ça... T'abuses ! C'est ma maison à moi, ici Merde, il m'a vu. Peut-être qu'il veut juste un câlin. Je pense qu'il veut potentiellement juste un câlin. Il veut me faire un câlin, en fait. Il m'a vu, hein. C'est juste pour mettre la pression ? Ouais. Ça marche. J'ai sauvegardé de toute façon, mais... Je sais pas s'il m'a vu ou s'il fait sa ronde en fait. Je crois qu'il fait sa ronde. Tout va bien. Ouais, c'est un peu des deux, ouais. C'est pour mettre la pression, c'est pour faire des câlins, hein, c'est... Voilà. Ça doit, par contre, en hardcore, ça doit être vachement... Effectivement, la pression, là, ça doit y aller, quoi. Alors, 6 gauche. De droite. Merde. 11 gauche, ça va plus marcher. Ok, se calme. Six gauche. De droite. 11 gauche. Un coffre-fort pour juste ça. Ah ouais, c'est cool. N'empêche. Frein de bouche pour Mathilda. Binet. Ça fait quoi, attends. Faut passer la diffusion des gaz de propulsion pour diminuer le recul et le relèvement du canon. Okay. Couche, cool. Ok. En hardcore, Mister X est loin d'être le truc le plus anxiogène. Je trouve que les zombies de base sont plus dangereux, ok. Alors, pour faire un câlin, il y a forcément une pression, effectivement. Ok, il nous reste 15 minutes. 15 petites minutes. Est-ce qu'on... Donc on a... J'avais dit qu'il faudrait retourner... c'est peut-être le moment, du coup, de retourner dans le parking. Dans l'autre zone. Si je me rappelle comment on fait pour y aller, en fait, surtout. Pas sûr à 100% là. Wow! Non. Ah, si, par là. Ah, mais non. Ah, sérieusement. Putain, mais ils sont combien? J'avais pas prévu ça. Ça du tout. Genre le gars coupé en deux a ressuscité, ouais. Sérieusement, mais... Fucking, c'est par là. Je suis en train de sauvegarder, en fait. On est vraiment mort dans le jeu. Dans le 1, il y avait quand même des moments où les zombies étaient vraiment morts, quoi. Là, j'arrive pas à capter quand est-ce qu'ils vont revenir ou pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu en fonction du... En fonction du scénar, en fait. Ok.
ça. Hop. Hop. Et on va... On se barre. Oh, sérieusement? T'es sérieux? Putain. Là. Ah! Ah, c'est bon, hein. Se calme, là. Il y a une porte trèfle derrière. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Là. Il y a l'autre qui arrive, là. Le problème, en fait, dans tout ça, c'est si jamais, si les zombies se relèvent, ça veut dire qu'il faut de la génération de balles, quoi. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ah ah! Ça, c'est pour la bibliothèque. C'est le cric. Oh, bordel. Tu fous de ma gueule. On peut tourner en carré longtemps comme ça. Hein. C'est une clé cœur là-bas. C'est pas le bon côté là en fait. Ah ah ah. Se barre. Ça. On a une poudre noire. On a juste une poudre noire, ok. Parce que le héros n'y met pas d'ici, il prendrait le temps de bien exploser les crânes, démembrer les cadavres, ça serait bon. Bah, je suis d'accord. Comme je disais, à la Dead Space, j'ai envie de les exploser à coups de botte. Dans le premier que tu avais fait, tu pouvais brûler les zombies. C'est pas dans un autre jeu qu'on peut faire ça, Monéco, je sais plus. Là, ça, j'ai pris le temps d'en démembrer un, couper les bracelets, les jambes, et ben, j'ai ri pendant 15 minutes, tellement c'est mignon de voir le déplacer avec le menton. On peut en dé... Hein? Les bras, les jambes... J'ai ri pendant 15 minutes, tellement c'est mignon de voir se déplacer avec le menton. Lol, ok. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, Tiny. Coucou, Kron, bienvenue! Je confonds peut-être avec un autre jeu, mais je me souviens d'un truc comme ça. C'est dans Evil Within qu'on peut les brûler. C'est dans Evil Within, voilà. C'est peut-être pas la meilleure sauvegarde de ma vie là. Mais bon, Evil Within, Resident Evil, c'est un peu du kiff-kiff quelque part. Resident Evil Within. Bah, par contre... il fait chier, hein. Je vous dis direct, hein, il fait vraiment grave chier. On va aller faire tomber un truc sur la tronche, c'est pas possible. Comment on fait pour qu'il nous lâche, là? Hein? Comment ça s'est fermé? Comment ça s'est fermé? Comment ça s'est fermé? T'es pas fermé avant! Wouhou! Merde, l'échelle! Ah ah! Tu fais comment maintenant, hein? Oh merde! Et putain, dégage! Je pensais pas qu'il allait sauter! Dégage! Enfoiré, va! Ah, les boules! Ok.
C'est un Terminator, ce truc, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? En plus, Arnaud, il a dit que ça servait à rien de le tirer dessus, alors... je vais même pas essayer. Sinon, j'aurais balancé des grenades. Ah là là... Ok. Ça, on peut pas ouvrir. Okay. Non, faut que je descende. Faut aller dans le parking, en fait. Putain, mais il est pas loin encore, hein. Tiens. On n'est pas venu ici, en fait. Ah, super. Putain, le v'là. C'est trop foiré. On va se fermer. Je descends pour aller me coucher à boire et j'entends le kino crier, j'en rigole quand je suis monté. Dégage! Putain, je vais où, quoi? Non mais vous... Terminator... Je pense qu'il court moins vite aussi quand il est mouché. Oh là là... Oh là là... Ah bah je suis revenu ici, super. C'est pas vraiment là où je voulais aller, mais bon. Moi là, je sais qu'il va pas me suivre. Merde, désolé, je pensais que t'avais au moins déjà coupé un bras et une jambe. Après, j'ai pas mal de balles à tirer. Ça a pas le coup de le faire, mais pour la science, j'ai tenté. Ouais. Non, j'ai pas essayé. J'ai toujours essayé de tirer sur la tête. Comment on fait pour aller au... Ouais, faut que je sauvegarde là, en fait. Faut qu'on change de jeu là. Faut que je retourne au parking, en fait. Sans de tir, mort. C'est par là qu'on passe, en fait. Tac. Passer par le toit, en fait. Ok. Bon. Et puis en plus là je suis pas mal amoché. Ah, attendez. Terrasse. Ouais. Venir looter les trucs ici, tiens, genre ça. Grand rouage, ça va servir. Oh putain, ça prend de la place. Ça va servir à un truc. Ah, j'ai tout. Comment je fais pour aller sur la terrasse? Ok. Ok.
Là, si je me rappelle bien, il reste un petit zonzon, là. Donc, à droite, à gauche, pardon. Voilà. Mon premier sauvegarde en stop. Hein. Bonjour, madame. Je crois que je vais te zapper, madame. Je suis désolé, hein, mais... T'as la chouette. Je me casse. Ok, bah voilà. Donc il faudra aller Elki du futur, si tu m'écoutes. L'objectif prochain, ça va être de retourner dans la, en tout en bas, à la zone du parking, pour pouvoir utiliser les composants électroniques. Ah, dans les prisons, en fait, pour pouvoir utiliser ça. On a aussi la clé pour ouvrir une des bagnoles dans le parking et une clé USB pour l'ordinateur. Ok ? Merci, Elki du futur. Courage, Elki, merci. Il n'y a pas de courage, j'aime bien le jeu, il est cool. Par contre, j'aurais bien aimé avoir une herbe verte, mais bon. Toxine de votre corps. Ok. Bon. Ça, on ne sait pas encore où ça va. Ça, je m'en fous. La grenade, on garde. Ça, on n'en a plus besoin. Donc, en fait, je vais peut-être garder le rouage au cas où. Voilà. Ça, tout ça, on sait quoi en faire. Voilà. Donc, j'ai plus trop de munitions. Là. C'est un peu la galère quand même, mais bon. Sauvegarde, essaye vite fait. Voir si tu tues le Terminator. Ouais, si tu veux, on peut faire ça. On peut tester ça. Regarde ici. Hop. Aussi, la bibliothèque débloquée. Ah oui, et aussi la un Elkino du futur. La bibliothèque débloquée. Bonjour madame, au revoir madame. Oh mais attends, mais y'a un humain qui vient de passer là. Ah merde, j'ai oublié la grenade. Non, j'ai oublié la grenade, Avia, tant pis. Désolé. Là je peux plus repasser par là, c'est vrai. En plus j'ai pas de... J'ai plus de life là en fait. J'ai plus de life du tout là en fait. Re, Ozana. Tu arrives pile poil pour la fin de Resident Evil 2 et on va passer sur Dreamfall dans pas longtemps. Avia veut qu'on essaie de tuer Terminator. Ah là, maintenant il veut plus venir quoi. Foutage de gueule, Terminator, s'il te plaît. Pire, t'avais les mélanges d'herbes qui pouvaient te heal. Non, y a pas de. En fait, je peux utiliser un mélange, je crois, violet-rouge pour pouvoir me soigner, mais ça me soigne de 2 unités, en fait, c'est gâché. Mais bon, oui, au pire, quoi. Bobby ? T'es où, Bobby ? Je l'entends, mais il veut... Bobby ! Sérieusement? Ah! Non? Ah, salut! On peut le ralentir, je crois. J'ai l'impression. Je peux pas rester ici. Ah, bah en plus, En plus, Léon nous le dit, quoi. C'est logique qu'on puisse pas. Tiens, aïe. Tiens, aïe. Prends ça, encore. Ah, mais non, aïe. Ah. Aïe. Bof. Ya. J'ai foiré ma dernière esquive.
Ok, donc on peut pas. On ne peut pas. On ne peut point. Là. Bref, allez, on va s'arrêter ici. T'as fini ton tuto, tuto pour lundi, cool. Allez, hop, hop, hop. Oui. Cool, cool, Marc. Lundi, c'est découverte de l'explorateur Windows. Ouais! Et si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Telkinou avec l'épisode numéro 2 de Resident Evil 2. Merci beaucoup et à la prochaine.